Bon, est-ce qu'on va être bon directement ce soir? Telle est la question. Si ça veut charger, évidemment. Est-ce que ça va charger un jour? On est en quoi là? On est bon. On est tout bon, c'est juste que j'arrivais pas à voir le retour. Donc soyez les bienvenus, n'hésitez pas à discuter, à poser des questions, même encore à follow, ça fait toujours plaisir. On fait les petits messages de publicité, comme d'habitude. Tac. Voilà, hop. Musique un peu forte, on va descendre ça. Voilà. C'était pas grand chose, mais on l'a descendu. Voilà. Donc logiquement, on va switch. Hop là, boum. Hop. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il marquait sale partout là? Vous êtes tous sales! Quoi, il y a des nouveaux trucs dans la boutique ou bien? Pas encore, hein! Du coup, je suis plus le meilleur. Oh, bah oui, ça descend. Évidemment. Ah, mais t'as 1 600 000. Moi, je veux absolument la faire partir cette monture. Voilà. Je suis pas à 500 000 près, mais faut qu'elle parte. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens donc. Salut Kanek, pour une fois t'arrives à l'heure. Comment vas-tu? Allez hop, on va aller. Si la musique est trop forte, dis-le de moi, je ferai le nécessaire pour la diminuer. Donc on va faire donjon 5 étoiles, comme ça sera déjà ça de fait. Et puis après on partira en delve privé. Et je prendrai des gens s'ils veulent venir avec moi. Non c'est bon? Ok, nickel alors. Déjà je vais mettre ça, hop. Bon les lustres sont déjà à moitié faites, malheureusement j'ai joué un petit peu en début d'après-midi. Donc du coup il reste plus qu'une lustrousse à avoir. Enfin deux plus ou moins. Mais bon vu qu'on va les avoir en même temps, c'est comme si ça comptait comme une. Sinon qu'est-ce que tu racontes de beau mon cher Kanek? J'ai eu un petit rollback là. Hein. C'était léger, mais on l'a vu. J'ai cru qu'il était là, mais non, il est au-dessus. Beaucoup de devoirs, mais sinon ça va être dur les études. Ah. Ouais, c'est pas quelque chose que... Ben, ça serait mentir de dire que les études m'ont été difficiles. J'étais assez loin au niveau des études, mais j'ai jamais fourni le moindre effort. Jamais. J'ai une mémoire photographique et j'ai tout obtenu grâce à ça. Donc j'avais un petit avantage. Bonjour Dracorok, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je peux pas encore comprendre comment on monte à un moment donné. Tu vois, on peut monter ici mais je sais pas où. Où est la bifurcation pour monter? Je suis pas encore habitué à ce donjon 5 étoiles. Du coup, on bombe un petit peu.
Non, je suis en illustration. Ah oui, mais effectivement, il faudra donner des bons coups de crayon si c'est le cas de le dire. Ou de photoshopping, je sais pas, du coup, si c'est informatisé ou si c'est manuel de ton travail, mais bon. Tu fais Ganda Quest? Non, ça fait bien longtemps que je la fais plus. Je fais juste les donjons 5 étoiles avant de faire des delves, et puis... ça fait bien longtemps que je fais plus mes 20 quêtes de par jour. Malheureusement. Malheureusement. Coup de crayon, bref, c'est d'accord. À partir du moment où il y a de la persévérance, logiquement, il y a toujours un résultat. Il sera pas toujours aussi significatif, ou comme tu pourrais l'espérer, mais tu ne pourras que avancer. C'est très rare dans ce genre de métier que tu régresses. Comme dans tous les métiers créatifs, aussi bien la musique que le dessin, que l'art, dans les grandes lignes, tu peux que t'améliorer. À moins qu'il t'arrive un accident divers et que du coup t'as une mobilité qui a été réduite au niveau des mains, des jambes ou selon toi. Pas ce que je veux dire. Mais parlons pas de malheur, hein. Pour le moment t'es en pleine santé et ta main elle va bien. Donc si tu veux dessiner le mieux possible, essaye de moins te branler. Parce que la tendinite va t'empêcher de dessiner du coup. Voilà. Et je parle de tendinite parce qu'apparemment j'en aurais une à l'épaule en ce moment. Mais bon. Ça fait un mois et demi que je l'ai. Et ça veut pas guérir bizarrement. Malgré nos anti-inflammatoires, tout ça. Donc là on essaye des gros anti-inflammatoires et si ça marche pas, radio, bim. Allez hop. Je savais que je me branlais trop quand j'étais petit, je le savais. Je savais que j'aurais des problèmes un jour, je le savais. Ça va, c'est l'autre main. Ah bon? T'es ambidex? Ah, moi je serais incapable d'être ambidex. Tu me demandes de faire quelque chose de la main gauche étant donné que je suis droitier. Laisse tomber. Surtout ici, il s'agit de te jeter quelque chose. Hein. T'attends pas à le recevoir dans la bonne direction. Hein. Je serais capable de jeter derrière moi alors que je veux le jeter devant. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Il m'a TP direct, j'ai pas compris. Il est mort en tout cas, ça c'est sûr. Mais moi j'ai pas compris ce qui s'est passé à l'écran en une seconde. Il s'est passé tellement de choses. J'ai écrit dessine de la main gauche et je fais tout le reste de la main droite. Donc tu es ambidex, c'est bien ce qu'on veut, c'est bien ce que je dis. Tu sais utiliser tes deux mains. C'est bien ça. Et je te félicite du coup parce que moi de temps en temps j'utilise la main gauche. J'ai 15 ans, faut y aller mollo. Ah bah de toute façon t'es sur un stream plus 18, hein, il y a le petit logo, je sais pas là où là, mais il est là le logo, hein, donc si t'es là par ton plein gré, c'est pas à moi de faire des restrictions, c'est à toi de partir si tu te sembles que c'est trop chaud, Dracorok. Hein. C'est pas à moi d'arrêter, c'est à toi de partir. Si tu sembles que tu n'es pas apte à recevoir ce genre d'informations. Moi il y a 3 restrictions, plus 18. La première fois que t'arrives, le règlement, plus le logo. Au bout d'un moment, moi je peux pas t'aider. Hein. Oui, je me doute, mais je tiens à le resignaler au cas où si vraiment il y a des gens qui... De toute façon, il y a déjà dû avoir des gens qui ont dû passer sur ma chaîne, mais que c'était trop violent, parce qu'on parlait certainement peut-être de kékettes ou de je ne sais quoi, et qui sont arrivés au moment où... inopportun, tu vois. Ah ! Non mais, j'ai compris, d'accord. Oups, oh putain, je refais tout le temps la même connerie, tout le temps l'eau.
C'est pas croyable, là. Je fais tout le temps comme que tu vas. Voilà. J'ai juste refait un copier-coller de la chose qu'il fallait pas que je refasse. Bah après, voilà, c'est du spam dans mon propre club. Ça dérange pas grand monde. Y a pas grand monde de connecté, de toute façon. J'ai l'impression que tout le monde déserte Trove. Donc, pour ceux qui seraient pas au courant, trois nouveaux dragons arrivent certainement pour la période d'Halloween. À la prochaine mise à jour, au prochain event, trois nouveaux dragons seront à crafter. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Après, malheureusement, ils vont encore mettre des packs payants en crédit. Donc du coup, il faut encore plus et encore plus de crédit. Donc c'est leur nouveau système économique, hein, mettre beaucoup de packs. Voilà, comme ça si c'est des gens qui peuvent pas du coup c'est de les payer, ça va créer une sorte certainement de frustration chez les gens, et s'ils ont les moyens de payer en argent réel, bah ils vont s'acheter des crédits, voilà. Donc c'est leur nouveau moyen de pression sur le jeu. Sortir des packs à outrance. Et le pire, c'est que ça marche. Après, ça ne permet pas d'être puissant dans le jeu, encore une fois. Hein. C'est uniquement du contenu plus ou moins cosmétique, des montures, pour du mastery useless. Donc faut vraiment les vouloir pour les vouloir. Mais bon, vous savez comment ils sont les gens. Ah, oh, ce costume, il est beau, je le veux, machin. Eh, mais il sert à rien. Non, je m'en fous, je le veux. Après, les goûts, les couleurs, c'est pareil. Hein. Moi, je fais tout de la main droite, d'accord. J'ai des images depuis tout à l'heure, depuis qu'on parle de ça, du coup. Je vous imagine en train de vous pelucher. C'est super. On est en train de jouer quand même. C'est super. Hein. Vous allez bien sinon? Moi je vais bien. Je commence à voir la bigole. C'est cool. Alors, donc, sinon je rejouerai prochainement, je pense dans la semaine aussi, on faudra qu'on continue aussi encore Doom Eternal. Donc ça sera certainement aussi encore en soirée. Je pense que je vais avoir que ce créneau hein, maintenant, ça va être quasiment en soirée. Hein. Grand max. Jusqu'à 23h et puis basta. Donc je sais que les gens ne pourront pas rester jusqu'à la fin. Mais juste un petit passage, moi ça me suffit. Salut, je dois aller dormir de la main droite. D'accord, bah, va dormir de la main droite alors. Justement, je parlais comme quoi les gens ne pourraient pas forcément rester. Après, voilà. C'est très très difficile d'avoir un créneau où tout le monde est disponible, ou moi-même. Est disponible hein, faut la première personne qui doit être disponible pour le stream c'est bien moi hein, à la limite hein, parce que si je suis pas dispo il n'y a pas de stream hein, tout simplement. Je sais, ça a l'air bête comme ça, mais bon, donc après on ira du coup en Delve, on ira peut-être avec des gens hein, du coup je sais pas qui voudra m'accompagner. Faudra juste se manifester, puis on fera ça dans les règles de la sodomie, pour le bien de tous. Putain, qu'est-ce que je dis comme connerie quand même, alors c'est un truc de dingue. C'est hallucinant, hein. Y a pas une connerie pour attraper l'autre. J'ai honte? Non, c'est faux, j'ai pas honte. Je crois que ça fait bien longtemps que le ridicule me tue plus, moi. Au contraire. C'est peut-être ça qui fait ma plus grosse force, c'est que j'arrive à faire de l'autodérision quasiment sur la totalité des choses. Et je me cache derrière ça, des fois. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Mais le problème, c'est que je sais jamais quand je dois m'arrêter. Parce que ça m'arrive aussi de faire de l'autodérision, des fois, dans des moments improbables, on va dire ça comme ça. Donc des fois c'est drôle, mais des fois c'est lourd.
Une fois qu'on aura fini Donjon 5 étoiles, on se fera une petite pause avec un petit thé, et puis on ira directement après en Delve. Donc il y a des gens qui voudront venir en Delve parmi vous? Ou il y a personne, il y a vraiment plus personne. On fera du 114-128. Pour ceux qui veulent. Non, je peux pas devoir. Je peux pas devoir. C'est pas très français comme phrase. C'est pas un devoir de venir. Non mais j'ai compris, t'inquiète, j'ai compris. C'est juste que quand on enlève des mots, du coup, ben voilà quoi. Ça porte à confusion. Bon, t'as pas le temps d'écrire, mais t'as quand même le temps de me regarder, donc ça c'est sympa. Quoi. Parce que tu pourrais ne pas être là. Bon, on a fini avec les lustros en tout cas. Mais bah, il s'est suicidé. Hey! Non, mais il saute dans le vide là, comme ça là. Il est mort en plus. Je sais pas s'il est mort, c'est peut-être lui là. Au bout d'un moment, ils récupèrent leur vie de toute manière, donc. Donc Dracorok est parti se branler, c'est ça? Voilà, il faut pas grand chose hein, pour exciter un petit gamin de 15 ans. Hein. Oh là là, j'ai dit couille, ça y est, c'est parti. Ah. Ouais, on va ouvrir la lustrousse alors. Moyen, c'est pas mal. Bof. Bien. Bof. Bien. Très bien. Bof. Et on en a plus. Oh zut, moi je voudrais en ouvrir plein des comme ça. Donne-moi-en. Ça va, on a eu pas mal de trucs bien. C'est une bonne petite semaine. Ah, un nouveau 5 étoiles. Pas quoi ça ressemble, c'est une pyramide ou... Ah, c'est une pyramide ouverte. D'accord, c'est un silo de missiles nucléaires, d'accord. Ah bah, pas mal. J'aurais pas fait mieux, dis donc. C'était à ça que ça servait les pyramides, pour cacher les futurs missiles nucléaires. Je comprends mieux maintenant. Pharaon, pharaon, ouais. Vite vu, hein, le pharaon. Je vois la lumière, mais je vois pas le passage. Où es-tu? Là-bas? Non plus. Bah, je suis pas aveugle. Ah, là-dedans? Oula, où est-ce que je suis? Non, bah on est juste monté. Ah d'accord, bah c'est juste là en fait. Eh. Faut que j'ouvre les yeux moi des fois. Hein. Alors, il est où le dernier? Pour trouver le dernier, on va galérer, je crois. Non, c'est bon. Tu m'étonnes. Je sais plus ce que j'ai dit. Pourquoi tu m'as dit tu m'étonnes? Il est en dessous celui-là, il est en dessous, il est là. C'est une pyramide où il y a du poison, de la lave. Ils veulent pas qu'on y aille en tout cas, hein. Ça c'est clair. Hop. Là je parle tellement que je sais même plus à quoi t'as répondu. C'est un truc de la même chose. Les cassettes lustrées. Ah oui. Tu m'étonnes, ouais. Bah t'as vu, j'ai réagi comme toi. Ah quel con je suis. J'ai eu la même réaction.
J'étais en train de penser à ce que je disais, comme quoi j'aimerais bien en avoir autant, et du coup, bah, tu m'étonnes. Et du coup, j'ai la même réaction. Je suis débile. I am a débile, débilos. Hein? Ouais, si. Ça y est. S'il y a cette musique et qu'il y a encore Dracora qui va jouer. Il y a une femme qui jouit là. Ouh! Bah, si tu jouis comme ça, par contre, il y a un problème. Hein? Ah? Là, c'est un peu mieux. Oh merde. Les musiques, des fois, je te jure. Oh merde, c'est une tête. Bon, je vais la faire parce que j'ai pas envie de galérer sur les deux 5 étoiles. Juste un peu sur les bas. C'est déjà dit d'ouvrir la bouche, sinon t'en as sur les bords. Non, c'est pas la même chose. Ah, c'est vrai que je suis très porté cul. Hein. Je suis pas très raffiné comme monsieur. On s'en bat les couilles. Oh yeah. Hop, petite mine. Yep, dès que je finis, ben allez. Ok. Ouh! Je suis en train d'écrire. Oh yeah. Oh yeah. Ouh, oh. Tu vois, tout de suite, hein, ça part tout de suite sur le... Comment tu veux te concentrer avec un mec pareil? Hein? Non mais les musiques aussi, là, arrêtez! Et elle se marre maintenant. Ah, ça l'a fait marrer. Reviens là! Sale pute! Mais ta gueule! C'est quoi cette musique? Il y a le titre en haut, je pense, mais... Bah merde, ça a dû changer à l'instant, quoi, du coup. En tout cas, si jamais je remets cette playlist, quand elle va revenir, cette musique, je crois que ça me refera le même effet à chaque fois. Hein. À chaque fois. Est-ce que ça va, Kanek? J'ai l'impression que tu pètes un câble aussi. Bah une fois qu'elle a fini de jouir, maintenant elle peut chanter, voilà. Yeah, my soul is fucked up, no GG Gamigo. Ah d'ailleurs, il y a eu un hotfix tout à l'heure. Attends, je vais aller lire ça. C'était quoi le hotfix de tout à l'heure? Que bon, il y a eu deux hotfix deux jours d'affilée, c'est que c'était quelque chose de grave. S'ils l'ont mis, évidemment. Ouais, c'était aujourd'hui à 17h36. Plusieurs recettes de récompenses de coffre des KO étaient involontairement disponibles dans leur... involontairement disponibles avant leur date réelle. Ces recettes sont désormais masquées. Étant donné que ces recettes ont permis à certains joueurs d'obtenir des récompenses de coffre KO plutôt que d'autres, les points de maîtrise des collections associées ont temporairement été retirés. Leurs points de maîtrise seront rétablis une fois que les récompenses seront effectivement disponibles. Ah ouais, ils en font des conneries, dis donc. C'est pour ça que j'avais perdu plein de place dans le Mastery Rank. Correction de quelques crashs de serveurs courants. Sans blague. Correction d'un problème qui faisait que la passerelle de fouille... Spectrofléo réfracté faisait référence au spectrofléo supérieur dans son texte de description. Ouais, bon, en fait, c'était juste. Fuck! Merde. Bon, au final, donc en gros, tout à l'heure,
Donc du coup j'ai peut-être... Ah bah oui, là je suis remonté. Donc effectivement, Kidroll avait pris du mastery uniquement parce qu'il avait crafté des trucs. D'accord. Ah oh, merde. Sérieux quoi. Jaune marde hein, comme me dit. Hein. Mais ma balle j'aurais pas fait mieux dit. J'ai rien contre les Belges. Désolé. Désolé les Belges. J'ai pas de problème avec des frites ambulantes. C'est un 3 étoiles ou un 5 étoiles? Ah, c'est un 3. Fuck! Je suis dans une école belge. Ah, bon. Est-ce qu'ils sentent la frite? Non. Oh, quel dommage. Quel dommage. Non, mais je le sais qu'ils sentent pas la frite. Hein. Moi qui habitais très longtemps à la frontière française-belge. Je sais de quoi ils s'en retournent. Ils sentent l'oignon. En vrai, tout le monde peut sentir l'oignon. Il suffit de transpirer un peu beaucoup. Si t'as déjà senti de l'oignon, ta transpi, c'est quasiment la même chose. Après deux là à remplacer l'oignon par ta transpiration, je suis pas sûr. Hein, pour revoir ta recette là. Sinon c'est très dégoûtant. Vous avez déjà mangé? Je me demande ce que c'est que tu... Ah oh, bah c'est la même chose mais en x10. c'est exactement la même chose. En fait si tu veux, moi étant donné que je peux pas vraiment me brider, ça amplifie juste mon état par 10. Je suis encore plus con. Et ça s'est fait hein. On a fait à un moment donné un stream... où j'étais complètement défoncé jusqu'à 5h du mat durant Eclipse, la mise à jour Eclipse, donc ça date quand même, semblant de rien. Et puis bah, j'étais en train de farmer les araignées à l'époque pour avoir les fragments d'araignées. Mais du coup, j'étais complètement. J'y vais à plus. Ok, Kanek, merci d'être passé, à bientôt. Je mettais mon doigt dans la brique de jus, enfin, toi. C'est la même, mais un petit peu plus poussé, quoi, tu vois. J'aime bien cette musique. Hop, on va chercher encore la kékette. En tout cas, pour ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à discuter, à poser des questions ou même encore à follow. On est là plus ou moins jusqu'à 22h30, je pense. Donc encore une petite heure, on ira ensuite faire quelques delves tranquillement, apparemment accompagné d'une personne. Après si vous voulez nous accompagner, ben il y a de la place hein, dans tous les cas. On fera de la 110 à 128, en privé si vous préférez. Oulala, si je commence à parler en anglais, il y a des gens qui vont plus rien comprendre. Oulala. Ah, j'ai déjà bientôt 1000 boîtes rouges là. Ouais, j'en ouvre 10. Ah bah j'aurais mieux fait de rien ouvrir. Oh là. Donc du coup au niveau du mastery actuel, il manque encore quand même pas mal de mementos que je fais tranquillement, vraiment tranquillement. Il me reste 8 créatures, 3 boss, un biome et il me reste une bannière là. Légendaire, enfin les stellaires plutôt, et le badge des 1000 dollars. C'est tout ce qui me manque actuellement. Donc j'ai des choses assez chiantes à faire, pas vous mentir. Surtout le nouveau memento de Bella Phantom Refracted là. Le moyen d'acquisition de ce truc, c'est complètement pété, quoi. Mais bon, une fois qu'on l'aura, après,
n'aura plus à le faire. Donc, je me plains parce que je l'ai pas encore, mais une fois que je l'aurai, je vais faire ah merde, j'ai plus rien à faire. Toujours pareil, on se plaint qu'on l'a pas, et une fois qu'on l'a, on fait ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, moi, je peux pas me dire j'ai plein de choses à faire parce que c'est faux. C'est complètement faux. Hein. Quand il y a une mage qui sort, du coup, j'ai principalement 7 mages à faire là. Et après, j'ai plus rien. Donc là, je suis bien content que c'est d'avoir eu ces mementos, même si en soi, c'est vraiment nul. Hein. Ça sert à rien. Mais en vrai, ça a agrandi énormément le temps de jeu qui me restait à faire. Mais c'est évident qu'à un moment donné, j'aurais certainement plus grand chose à faire. Là, j'arrive à me choper encore un à deux mementos par semaine en général. Donc, on restreint petit à petit les possibilités de choses à faire. Au bout d'un moment, on pourra enfin se branler, je pense. Il serait temps quand même sur ce jeu. En vrai, j'ai perdu, entre guillemets perdu. C'était du farm. J'ai fait énormément de farm de flux, on va dire à l'ancienne. Parce que bon, la vente et tout ça, maintenant je ne le fais quasiment plus. On m'a dit qu'il y avait pas mal de choses qui se vendaient, par exemple les Cave Bird, si je dis pas de bêtises, Cave Bird. Voilà, c'est 125 unités, 140. On peut essayer, hein. Je vais mettre à 140, non c'est pas là-dedans, c'est là-dedans. Il me semble que j'en ai, hein. Donc je vais en mettre quoi 50 à 240, hein, c'était ça? Non, 140. Si je me trompe aussi, moi. Ouais, on va mettre 100 du coup. Non, 200. Eh, je me. J'ai envie de me taper des fois. Pas possible d'être irréfléchi comme ça. On devrait avoir bientôt fini avec les donjons 5 étoiles, on en a déjà fait pas mal, hein, semblant de rien. Donc on va vite, dans une dizaine de minutes je pense, on va vite aller faire des delves. Peut-être un run ou deux, on verra en fonction de notre humeur, mais je pense que ça sera plutôt un. Donc de 10 à 28. Plus ou moins en stream, et puis je continuerai peut-être hors stream pour ceux qui veulent venir sur Discord, si jamais. On fera ça ensuite encore. Tout le long de la soirée, je pense. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les maintenant, avant qu'il soit trop tard. Parce que quand je serai plus là, je serai plus là. Et ils sont forts quand même d'avoir fait cette connerie. Ils m'étonneront toujours en fait, les développeurs de jeux, toujours. Quand tu crois qu'ils ont fait la plus grosse bourde et en fait non ils t'en font encore des autres derrière. Bon ça va, c'est pas rien. Ah bah on a fini. Voilà, c'était même pas 10 minutes, on a fini. Voilà, on a fini. T'as quel âge? Tu me donnerais quel âge? Et t'as quel âge, c'est pas 2LE, hein, c'est au masculin. Si je peux me permettre. Yeah.
Baume orangée, hop. On va partir directement en Delve. Hop, on est en 114. Et on est parti. On est parti en espérant d'avoir des trucs qu'on n'a pas. J'ai 15 ans, l'orthographe reste à désirer, mais je te donne 36 ans, 3 mois. Hop. Bon, on va commencer, hein, le temps que... mettre les clés aussi. On a un peu beaucoup de clés quand même sur nous, on a 25 000 clés. De Delve, un peu beaucoup, hein. Ah, j'avais dit que je me ferais un thé. Bon, on va finir là, on va pas appuyer sur le machin. Et... oh, moi je suis motivé, hein, moi je suis parti, YOLO, hein. Yeah. Comment on passe 30k? Bon, ça c'est simple, hein. Étant donné que il faut te dire quand même que toutes les gemmes à fond et à 100% et level 25 t'apportent 24 000. Donc t'as que 6 000 à avoir. Après il faut savoir que tous les dragons te donnent 30 de power rank d'office. Donc les dragons te donnent quand même pas mal. Étant donné qu'il y a plus d'une quarantaine de dragons, 30 x 40, tu fais un petit calcul, c'est déjà ça en plus. Après le stuff, le C3 pas trop full si possible, faut juste full perle à la limite dans un premier temps. Le C4 va t'aider aussi. Après bah t'as toujours aussi la bannière qui te donne 350, t'as l'anneau hein, qui te donne 987. Ça c'est rapide hein. Parce que là j'ai quand même 6 000 de plus de ce que t'aimerais. Donc c'est que ça va commencer de plus en plus être facile à atteindre les 30k. Ah, Magman. Ah, on l'a souvent lui au début. Hein. Bon, on a dit qu'on n'appuyait pas, qu'on se faisait du coup un petit thé. Bon, il commence, je vais pas dire à faire froid, mais il commence à faire frais chez moi, donc je vais mettre une petite veste, ce qui va éviter d'avoir le chauffage. Comme ça, j'ai deux capuches. C'est cool d'avoir deux vestes, c'est que t'as deux capuches. Voilà. T'en as une de ton polo et t'en as une de ta veste. Donc en gros, je sais pas m'habiller. Voilà. Mais bon, c'est pas ça, c'est pas. Hein. C'est pas à recommander. Alors du coup on va se faire un petit... pff, allez. On va prendre du fenouil. Comme ça. On va digérer un petit peu. On va appuyer. De toute façon le temps que ça chauffe, on a le temps. Ah là là, putain! Ils sont loin, moi, mes 15 ans, bordel de merde! Qu'est-ce que je faisais quand j'étais 15 ans? Ben, je m'en souviens plus. Mes 15 ans, je ne m'en souviens plus. Malheureusement. C'est une période de ma vie où j'étais sous grosse substance chimique, malheureusement. Et j'ai pas trop de souvenirs.
Après, je sais que j'étais à l'école, hein, comme tout le monde, mais... Puisque l'école est obligatoire plus ou moins en France jusqu'à 6 ans, donc... Tu as un C4, ah d'accord. Ouais, il te manque pas grand chose là, il te manque 500, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Bon bah on peut rush, allez hop. Ouais bah ça sonne, bah laisse-moi rush et j'arrive. Alors t'as quel âge? J'ai un peu moins de ce que t'as dit tout à l'heure. C'est surtout la barbe, là, la grosse barbe qui me vieillit un peu. Mais rassurez-vous, je vais bientôt me la faire tailler. Comme il y a 2 mois. Il y a 2 mois, elle était très belle, elle était bien taillée et tout. Là, elle est un petit peu en jachère, hein, si je peux me permettre. J'aime pas trop quand elle est comme ça. Je préfère quand elle est... quand elle est... Bah, mi-longue, en fait. Enfin, mi... Ouais, mi-longue. Pas mi-longue, en fait, mais... Très... Enfin, tu m'as compris, bref. 33. Et à quoi ça t'avance de savoir mon âge, en fait, mon cher Dracorok? Est-ce que ça changera quelque chose, du coup? Est-ce que si je te dis mon âge, tu vas te défollow et tu voudras plus coucher avec moi? Non, je déconne. Ne pas tenir compte de ce que je viens de dire, hein, c'est une grosse connerie. Une très grosse connerie, même. Non mais qu'est-ce que ça change du coup de savoir mon âge? C'est qu'un chiffre sur une personnalité, sur quelqu'un, à la limite 50, 20 ans... Ah, la curiosité. Bah t'es vraiment pas très loin, t'es vraiment pas très loin. Voilà, tout ce que je peux te dire, t'es vraiment vraiment pas très loin. Et GG pour ton level 12. Ouais. Il y en a qui sont. Ah. 23 ou 32? Bah, je dis pas très loin, et 33, ça serait 23, franchement. Ah déjà ça serait très gentil parce que tu me rajeunis, hein. J'aimerais bien retrouver mes 23 ans. Franchement, c'était mes plus belles années, de plus ou moins pour le moment de ma jeunesse. J'avais ma propre entreprise à cette époque. Ça marchait plutôt bien, j'étais bien. J'habitais à côté de la mer, à 5 rues de la mer. Mais vraiment, 5 rues, genre, j'avais même pas 500 mètres à faire avant d'être à la plage. C'était cool. Mais bon, la vie a fait que, voilà. Je déménage, tout ça et tout ça, tout ça. Ah, Timens. Mon petit Timens. On note ça comment les montures de fouilles? Bah, dans les fouilles. Là, ça, c'est à Spike, là, que tu vois. Donc, sur la Spike. Après il y en a 3 sur la fille de la lune. Il y a le pistolet, le tapis et le Luna Eclipsia, hein, donc le. Après t'en as une sur la piñata. Et je crois que c'est tout. Pourquoi, hein. Donc ça, la Weeping aussi. T'as la Weeping, la Spike, le tapis, bah les 3 là c'est sur la fille de la lune. Ces 3 les 6 nouvelles montures des fouilles du coup. Je lui laisse des mobs. Putain les salles par contre c'est de la grosse daube, hein. Ça c'est rare, oui. Ça c'est rare, c'est quasiment aussi rare que d'avoir un Ganda. Dans les boîtes. Il faut vraiment beaucoup beaucoup farmer quoi.
Marius. Je dis ça, mais hier j'étais en private, hein, comme là, et j'ai chopé le pistolet. Mais bon, apparemment, il n'y a pas grand monde qui le recherche, donc il ne part pas malheureusement. Je l'ai mis à la vente et il ne part pas. Donc bon, bah, s'il faut brader un peu, bah, on bradera et puis c'est tout. Hein. C'est ce que je te dis. Toujours espérer avoir du coup des mementos qu'on n'a pas. Collecte cristal, cool. Le truc le plus chiant du monde. Ah ça, collecte cristal, je crois qu'ils pouvaient pas faire pire que ça, comme truc. Pas de minerai, c'est chiant aussi, mais à la limite... ça se fait assez vite. Bah, bonne nuit à toi et merci d'être passé, à bientôt. À une prochaine. Il n'y a pas de mine, il y a pas de cristaux en fait. Il n'y a clairement pas de cristaux. J'en vois pas. Là, il y en a un peu. Faut pas aller loin avec si peu de cristaux. Les caves burn partent. Hein. Je suis le meilleur prix. On va remettre une offre. On va mettre un peu comme ça. Ça ferait un peu de flux. Pas tout vendre parce que je vais regarder un peu quand même. Pas que je veux. J'oublie, l'objectif principal c'est d'avoir des cristaux. Casse les couilles. Je crois que ça devrait peut-être suffire ici. Et on est limite, hein. On est vraiment limite sur ce coup-là. Ouais, il en manque un, quoi. Il en manque un, quoi. Grosse blagounette. Voilà, c'est bon. On l'a eu. Mais non, j'ai pas de bombe. Je n'ai pas de bombe.
Bon, je pense qu'il va se mettre en Boom Ranger et il va le faire. Je pourrais le faire aussi, hein. Je pourrais le faire aussi, hein. Franchement, je vois pas pourquoi il serait tout seul à le faire. On va s'y atteler, on va. Ben, le temps que je charge, moi. Merde. Ceci dit, je fais des dégâts, moi. Regarde. Pour le moment, je fais des dégâts. Hein. J'ai tellement pas l'habitude de miner que. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé le Boom Ranger, mais tellement longtemps. Ouais, je peux changer de classe du coup. Et on peut rusher. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres trucs relous comme ça là. Elle est horrible la Delve pour le moment. Hein. Horrible. J'espère que j'aurai au moins un memento pour. Mais. Je pouvais plus sauter. Je pouvais clairement pas sauter. C'est relou. Mais sors la monture, putain! La piñata. Soit. Dire qu'on a beaucoup de chance en ce moment. Ah, c'est très chaud. Aïe. Faut tuer des concombres, des cosques, des cosques, coxcombres. Je sais pas à quoi ça ressemble. J'ai pas les. Ça, c'est des crabes. Comme par hasard, quand tu le tues un seul type de mob, tous les autres mobs ils sont par milliers, hein. Ça, y a pas de problème. Oh là là, regarde-moi tous ces mobs. C'est eux, je crois. Voilà, on peut rush. On peut rush ou run à notre guise. Quand on descend, c'est bien, mais quand il faut monter, c'est la galère. C'est chiant. Oh là là, qu'est-ce que c'est relou. Allez, hop. Un pirate. Y'a que des pirates en Delvin, J'ai des 5 salles, ça reste assez simple.
Sauf quand c'est cette salle, évidemment. C'est une blague. Tiens, ces petits mobs là, je les ai pas moi. Il me semble pas les avoir ces créatures là. Très bien que le memento tombe de cela. J'ai les petits, mais pas eux. Mob, ouais, sacré dalle, dis donc. Ouais, on peut se casser. Là, là, là. Wow, on vole. C'est un dracolich. Ça, je vais le faire à chaque fois cette connerie. Toujours rien quoi, mais rien de rien. Change de monture là, la spike elle est horrible. Dark Mushroom, ah, ça je crois qu'on sait ce que c'est comme mob hein. Vous trouvez des mushrooms. Il y en a là. Et encore 6. Ouais, c'est bon, on se casse. On se casse. Et c'est la whipping. Oula! Après, elle peut toujours faire tomber sa monture, hein. C'est toujours ça de prix. Toujours un petit gain d'argent. Mais bon, j'y crois pas trop. Ah, ça changera pas. Ah bah alors là, j'ai même cru que j'avais plus le patron, t'sais. Avec si peu de loot qui tombe, j'ai cru qu'il se foutait de ma gueule le jeu, t'sais. Passant au boom orangé.
Ça, j'étais un pro du boomeranger à l'époque. On a déjà fini. Bizarre ça. Waouh, mais tous ces mobs. C'est des maps comme ça qu'on veut le lundi là pour l'inerte. Tellement jouissif. On jouit. Oula. Ah ouais, ah ouais. Changer mon Ali là. Il est sympa celui-là, mais j'ai envie de changer. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Tiens, on a mis les petites biquettes. Les petites biquettes. Une petite biquette en bonbon. Elle nous portera chance. Ah, plus de musique. Ah, si, c'est bon. Je pensais qu'il y avait l'anti-AFK, comme d'hab. L'anti-AFK de YouTube, puisque là nous sommes sur YouTube cette fois-ci. Les attirer ou pas les plantes? Oui, on peut les attirer. Ça a piqué, mais on a pu. Avec les bruits de Metal Gear Solid, c'est... ces musiques, elles m'étonneront toujours. Parce que du coup, pour les gens qui ont joué à ce genre de jeu, ils l'entendent direct, quoi, les sons. Instantané, quoi. J'ai pas vraiment joué à Metal Gear Solid, mais j'étais beaucoup... j'ai beaucoup regardé des gens jouer, surtout, on va dire ça comme ça. Eh merde. Pas un seul memento encore pour le moment. Pas un seul. Alors qu'on va arriver à la fin de notre premier run. C'est ouf, hein. Bon, de toute façon, je pense qu'on s'arrêtera tout de suite là. J'avais dit 22h30, mais je pense plutôt 22h. On va pas dire que ça me broute un peu le fait de rien looter, mais un peu quand même. Donc, j'ai pas envie de m'énerver. On va faire une petite pause et puis on verra ça plus tard. Ça sert à rien de s'énerver pour un jeu de toute façon. Ça en vaut pas la peine.
La Spike. Rien, ça changera pas de toute façon, hein. Même pas un petit C3, C4, non, rien. On va dead, on aura peut-être plus de chance si on dead. La superstition, vous savez, c'est un plat qui se mange froid. Non, c'est la vengeance, ça. Je mélange tout, moi, dans ma tête. Combien d'inertes? 300, ça va, on est large. On est large. Pas plus que ça là. Bah non, il n'y en avait pas beaucoup. Bon, je vais le laisser terminer, comme ça on va gagner du temps. C'est dur à gérer les bots, hein, surtout dans les virages. Deux salles s'il y arrive, ça devrait le faire. Nous on va les débuter fait ici, finir celle-ci, puis ils s'en fera. Ouais. Blague, hein. Toujours rien. Ah, mon compte, il est complètement moisi en ce moment. Looter une monture, ça y est, j'ai plus de lag, j'ai plus rien du tout. Et encore, c'est même pas une monture qui part. Ouais, je vais le laisser terminer, il s'en sort plutôt bien. On va prendre de l'avance. Bizarre cette musique. Alors, esprit de faire des coupures comme ça, c'est pas terrible. Ouais, mais quoi. Ouais,
Et un mob. Et je vais le faire à chaque fois ce coup là, donc on va faire ça. Comme ça, ça me le fera plus jamais. Non mais dis. Memento tout le long. Même pas un doublon, rien, que dalle, nada. Je suis maudit? Oui. Ah là, c'est clair. De toute façon, on finit sur là, on finit là, puisqu'il y a, il y a le coffre du coup sur la 128. Et on arrêtera là. On arrêtera là pour aujourd'hui. De toute façon, on a fait Donjon 5 étoiles, les Lustrous, on a fait un run de Delve. Je trouve qu'on a plutôt bien joué aujourd'hui. De toute façon, au mieux, on se retrouve mercredi prochain, comme d'habitude. Et à voir peut-être dans la semaine pour du Doom. Ça aussi, il faudrait qu'on finisse un jour. Oh non, pas cette map. Oh non, bah ils l'ont mis deux fois d'affilée sous la gueule du monde ou quoi? C'est des mobs de merde, hein, clairement. Ouais, ça va pas le faire. Voilà, ça c'est très bien. On a fini. Allez, hop. Et on va terminer sur je ne sais pas si je vais avoir le temps de voir le. Non, je vais pas avoir le temps de voir le trophée. On verra bien. Surprise. Ah, il fera. Faut mieux pas aller au cac, j'ai failli me faire avoir. Officiellement un run sans memento du 114 à 128, rien et pas de C4 ou C3 non plus. Et ben c'était bien pauvre. Ah bah sur ce les amis, moi je vais vous laisser en espérant que vous avez passé une bonne soirée. C'était Organe sur Trove, au plus tard, je vous dis à mercredi prochain comme d'habitude. Peace. You don't need a key.